c'est un stage il faut en retirer du positif et avant ce sprint final qui va être très important. Donc c'est vrai que ça nous a regonflé le groupe, la cohésion et voilà, pour finir avec de grandes forces pour cette fin de saison. De se retrouver tous ensemble pour partager ça, c'est sympa, et puis ça a permis de resserrer encore plus les liens parce qu'on en a besoin et que cette lutte finale elle va se jusqu'au bout. On savait déjà un peu comment le stage allait se dérouler avec cette petite expérience de l'année dernière. Ben là, on a essayé de réitérer les mêmes choses. Bien sûr, pas dans le même contexte parce que là, on sait quel est l'objectif cette année. Maintenant, tout le monde est prêt et concerné et lucide sur la situation pour aller chercher le maintien qu'on a allé chercher. Quoi. On s'est dit qu'on avait 8 finales à jouer. Et on pense qu'il va y avoir une dizaine de points au moins à aller chercher pour pouvoir obtenir ce maintien. Donc ça commence dès dimanche, Nice, un gros morceau. On a bien préparé, on va rentrer plus dans le vif du sujet sur les prochains jours pour bien préparer ce match et gagner à domicile. C'est un match important pour nous après cette trêve internationale. Donc si on peut rattaquer par une victoire à domicile, ça serait parfait pour enclencher l'opération maintien du mieux qu'on peut. Ça sera pas facile, mais je pense qu'on a, avec cette petite expérience de l'année dernière, juste besoin de se remémorer l'état d'esprit qu'on a eu lors de ces 8 derniers matchs la saison passée pour essayer de refaire la même performance ou aller chercher les points qu'il nous faut.